On se donne ici la fonction f définie par f de x égale x carré fois sinus 1 sur x si x est dans R étoile, donc x un réel non nul. Et on veut prolonger f en une fonction continue sur R. Alors, on sait par les règles usuelles d'opération sur les fonctions continues que la fonction f est continue sur R étoile. Mais on cherche en fait à savoir si elle est prolongeable par continuité en 0. Alors, cela revient à étudier si f a une limite finie en 0. Pour cela, on utilise évidemment l'expression de f de x, même valeur absolue de f de x, puisque c'est une valeur absolue, c'est positif ou nul. Par définition de f, ça vaut valeur absolue de sinus carré sinus 1 sur x. X carré est positif. Et la valeur absolue de sinus 1 sur x, c'est donc le sinus d'un nombre réel. On sait que la valeur absolue est inférieure ou égale à 1. Donc cette quantité-là est inférieure ou égale à x au carré. Lorsque x tend vers 0, x carré tend vers 0. Donc d'après le lemme des gendarmes, f de x qui est comprise entre 0 et une quantité qui tend vers 0, tend aussi vers 0. Quand x tend vers 0. On peut donc prolonger la fonction f par continuité en posant f de 0 égale 0. Et on obtient une fonction qui est continue sur R tout entier. On demande ensuite d'étudier la dérivabilité de la fonction f. Donc f est définie par f de x égale x carré sinus 1 sur x si x n'est pas nul et par 0 si x égale 0 d'après la question précédente. Pour étudier la dérivabilité, on commence par étudier la dérivabilité sur R étoile. Donc là, on a un produit et une composée de fonctions qui sont dérivables sur R étoile. L'expression x carré sinus 1 sur x est donc dérivable sur R étoile et on trouve même l'expression explicite de f' de x. Donc f' de x, c'est la dérivée d'un produit. Ça donne donc 2x fois sinus 1 sur x plus x carré fois la dérivée de sinus 1 sur x. Alors donc je rappelle la formule de la dérivée de sinus u. C'est égal à u prime cosinus u. Ici, le u vaut 1 sur x. Donc, la dérivée de sinus 1 sur x vaut moins 1 sur x carré cosinus 1 sur x. L'expression se simplifie un petit peu et on obtient pour f' de x 2x sinus 1 sur x moins cosinus 1 sur x. Il reste à étudier le cas x égale 0. Alors, dans ce cas-là, on ne peut pas appliquer la même règle puisque f de 0 n'est pas défini par la formule x carré sinus 1 sur x, mais par f de 0 égale 0. On revient donc à la définition de la dérivabilité en regardant le taux d'accroissement, c'est-à-dire f de x moins f de 0 sur x moins 0. F de x, ici, si on s'intéresse aux x qui sont non nuls, l'expression de f de x et x carré sinus 1 sur x. F de 0, par définition de f, vaut 0. Le taux d'accroissement de f en 0 vaut donc x sinus 1 sur x. Et le même raisonnement que dans la question 1 montre que cette quantité tend vers 0 quand x tend vers 0. Cela montre que la fonction f est dérivable en 0 et que f' de 0 vaut 0. Maintenant, on nous demande d'étudier si la dérivée f' est continue sur R. Donc f', ce qu'on vient de trouver, c'est que f' de x est bien défini et vaut 2x sinus 1 sur x moins cosinus 1 sur x si x est non nul. Donc si x appartient à R étoile, et f' de 0 vaut 0. Et
il s'agit d'étudier si cette fonction-là est continue sur R. Alors, elle est continue sur R étoile, toujours d'après les règles usuelles de produits et de composés de fonctions continues. Le problème est de savoir si elle est continue en zéro. Donc, F' est continue en zéro. Cela équivaut à dire que f' de x tend vers f' de 0 quand x tend vers 0 par valeur non nulle. Donc on regarde f' de x si x est non nul, c'est donné par cette expression-là. Il s'agit donc de regarder si cette quantité-là tend vers 0 quand x tend vers 0. Alors pour le premier terme, c'est bon, toujours par le même argument, on a x fois un sinus, c'est-à-dire quelque chose qui reste compris entre moins 1 et 1. Donc cette quantité-là tend bien vers 0 quand x tend vers 0. Par contre, le cosinus 1 sur x n'a pas de limite quand x tend vers 0, puisque si x tend vers 0, 1 sur x tend vers l'infini, et le cosinus n'a pas de limite en l'infini. Donc quelque chose qui tend vers 0 moins quelque chose qui n'a pas de limite, ça donne quelque chose qui n'a pas de limite. Donc cette affirmation-là était fausse. Autrement dit, f' n'est pas continu en 0. Ici, on a tracé le graphe de la fonction f, définie par f de x égale x carré sinus 1 sur x. Donc on constate que c'est une fonction qui oscille, comme le sinus, mais puisque le sinus est compris entre moins 1 et 1, la fonction f de x sera comprise entre moins x carré et plus x carré. Alors on voit bien sur le dessin que f de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Par contre, la dérivée de la fonction f ne sera pas continue en 0. Cela est dû au fait que la fonction oscille, et lorsque x tend vers 0, 1 sur x tend vers l'infini, donc les oscillations, qui sont celles du sinus, se font de plus en plus rapides, et la pente de la fonction va passer indéfiniment de valeurs positives à des valeurs négatives, et cela de plus en plus rapidement lorsque x tend vers 0.